Salut mes soldats, c'est Anthony le colonel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel comment faire une bonne intro sur PowerDirector. Fait que là, on va commencer tout de suite. On va aller tout de suite sur PowerDirector. Je vais me créer un nouveau projet. Comment faire une bonne sur Power Director. On va appeler ça comment faire une bonne intro Power Director tutoriel. Donc voilà. Donc premièrement, vous choisissez une image. Que vous avez downloadée. Si je prends, mettons, cette image-là, puis une intro, ça dure au moins un bon 10 secondes. Okay? On va mettre 10 secondes. Vous voyez, on est maintenant, voilà. Comme ceci. Et là, vous voyez, ça donne votre image. Donc, première étape, choisir une bonne image pour votre intro. Deuxième étape, la musique. Vous allez dans cette icône-là, puisque une note de musique plus une genre de cassette de film. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez cliquer sur la note de musique. Vous allez mettre. C'est soit que c'est de la download ou c'est de la musique. Moi, je vais prendre de la musique que j'ai choisie pour mon intro. Je vais faire un exemple avec la musique. Si vous voulez savoir comment télécharger une musique sur PowerDirector, ben, je vais vous le montrer. C'est simplement simple. C'est cette vidéo-là qui m'a permis justement ceci. Donc, vous allez juste taper comment mettre une musique sur Power Director. Voilà. C'est celle-là que j'ai pris moi. Regardez, attends si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est YouTube. C'est www.youtube-mp3.org. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous allez copier le lien, me semble.
Ok, c'est ça pour un thé. Regardez. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Ok, vous y prenez musique. Ok. Vous copiez le lien et vous le collez dans le site où il télécharge la musique. Donc, parfait. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez télécharger une musique d'intro, vous prenez une musique d'intro sur YouTube, vous copiez le lien, vous collez dans le site internet qu'on vient de te montrer. Bon, là, regardez qu'est-ce que ça donne. Là, on a la musique et notre image. Mais bien sûr, dans une intro, ça prend notre texte. Le texte, vous allez là-dessus. Vous allez dans cette icône-là, là, où il y a deux. Il y a d'avoir deux tablettes, je sais pas trop, là. Vous allez dans titre, où il y a un gros T. Et là, regardez, vous avez plein de sortes de titres. Vous avez chaîne de montage, trip 01, par défaut avec fondu, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous avez plein de choix de comment faire apparaître votre titre et tout ça. Moi, j'ai pris Montagne russe gauche parce que j'aime ça. Bon. Je vais vous donner un exemple. Mettons que je prends Floki. On va mettre Floki. Donc voilà. Donc là, regardez qu'est-ce que ça fait. Ça fait pas. Donc ça fait ceci. Mais là d'abord, je vais changer de texte. Puis vous pouvez grossir votre texte ici. Admettons que je mets YouTube Gaming. Et ce tutoriel a été à la demande de Dark Joker Gaming, un abonné. Il n'était pas capable de faire une bonne intro, donc il m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Donc, regarde, Dark Joker Gaming, s'il te plaît, un like pour cette vidéo parce que je t'ai aidé. Puis c'est toi qui as demandé cette vidéo-là. Donc, j'aimerais ça que tu me likes. Attendez une seconde. Bon, excusez-moi, c'était quelqu'un qui me parlait. Donc, j'ai mis mon texte YouTube Gaming. Donc, attendez un peu. Changer les caractères. Donc, vous pouvez changer la couleur. Regardez, vous pouvez changer la couleur et vous pouvez changer aussi la police. Vous avez plein de sortes de polices, mais les polices qui sont avec un nuage avec une barre en dessous, il faut que tu les télécharges, puis ça prend Internet pour les télécharger. Donc, mettons qu'on prend, on prendra pas Kenny Space parce que ça, c'était ma police de caractère. Mettons, je prends Grand Prix. Et voilà. Donc, YouTube Gaming. En police Grand Prix jaune sur un fond noir et rouge un peu. Puis vous pouvez le mettre en gros, en italique. Ou pas en gros. Ben en gros, ça paraît pas vraiment. Bon, regardez qu'est-ce que ça donne. Bon, ben vous voyez, regardez ça, les amis. C'est incroyable. Je vous dis juste d'expérimenter, ok? Prenez un beau fond d'écran. Mettez du beau lettrage, une belle couleur de lettrage. Des beaux caractères. Et votre texte. Vous pouvez aussi agrandir votre texte comme ceci, voilà. Et prenez une bonne musique comme ça.
Ça, c'est l'astuce d'une bonne intro. Regardez-moi ça. Comme ça serait superbe comme intro. Mais je vous dis, expérimentez et vous allez, et je vais vous dire, vous allez avoir une très bonne intro avec une bonne musique, des beaux caractères et une belle image. Bon, je vais enregistrer ça. Bon, ben c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas, oui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Anthony le Colonel. Et nous, on se revoit plus tard pour une autre vidéo. Ciao les soldats. Et à bientôt.